l'Autorité nationale du précaire. Jean-Luc Thibault, président du club Pensée la France. Francis Arzalier, historien. Odile Hage, maire adjointe de Douai, secrétaire de la section du PCF. C'est l'épouse de notre camarade Hage qui a été doyenne de l'Assemblée nationale et présidente d'honneur du pôle de Renaissance communiste en France. Très chers camarades, très chers amis, c'est un honneur pour moi, ainsi qu'une grande émotion, que de pouvoir, au soir de ma vie, présider le meeting de la Résistance. Meeting réalisé à la fête des Assises du communisme et en présence de nombreuses personnalités syndicalistes et de véritables républicains. En effet, il y a 10 ans, le 25 mai 2005, près de 16 millions de Français ont refusé lors de référendum d'être assujettis à une Union européenne que nous ne voulions pas. Bien avant l'invention de l'URSS par les nazis, mes camarades et moi-même avions déjà pris part les armes à la main pour libérer notre pays. À l'époque, pour nous, les motivations étaient claires. Il s'agissait de combattre le fascisme qui menaçait d'engloutir la France et l'Europe. Nous étions portés par le PCF de Maurice Thorez et de Jacques Duclos, patriotes et internationalisme, ce qui faisait que même dans les moments les plus difficiles, nous avions au fond du cœur la conviction que l'URSS serait le rempart des peuples contre le nazisme. Cette conviction se changea en certitude après la bataille de Stalingrad. Après cette victoire, nous savions que désormais, tout le sacrifice ne serait pas vain et qu'ils allaient nous permettre d'aller le cœur rayonnant de joie vers les jours heureux. Mais sous la bannière du Front National pour la Libération et la Défendance de la France, le vrai Front National, qui s'est animé par le PCF clandestin que nous avons combattu. Ensuite, depuis sous la bannière du Conseil National.